Dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout reste l'épicentre des combats. La bataille pour cette ville du Donbass est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe. Les forces russes contrôlent 90% de Bakhmout et continuent de progresser, mais jugent pour l'instant improbable une prise totale de la ville dans les prochains jours. C'est le chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui l'affirme. Par ailleurs, Kiev a de nouveau été la cible d'une attaque aérienne russe dans la nuit de vendredi à samedi. Les Ukrainiens demandent depuis des semaines la livraison d'avions de combat pour se défendre, notamment des F-16 de fabrication américaine. Joe Biden a finalement accepté. Il a levé son veto sur la fourniture par les alliés de ces avions à l'Ukraine. Mais il va falloir d'abord former les pilotes ukrainiens sur des sites européens et cela pourrait prendre des mois. Le Danemark notamment contribuera à leur préparation.